Eh bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne The Fringy. Aujourd'hui on est sur Empyrion comme pour pas changer. Et écoutez, quoi qu'il arrive, on va voir ce qui se passe tout de suite sur la planète. Allez, on y va. Voilà les petits loulous, je suis allé sur une planète, je suis allé dans la planète la plus proche, j'ai fait un petit saut pour choper des ressources, donc nous sommes sur Geffen qui est ici, donc nous sommes là, et il y a deux trois trucs intéressants du style des bases comme celle-ci que je vais éviter d'aller voir. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avons ici que nous n'avons pas? Il y a du cobalt sur la planète, c'est certain. Il y a du néodysium que j'ai miné et du satium aussi. Sur les lunes, il y a du magnésium, c'est pour ça là, je vous fais un petit tour du propriétaire en vue de nuit. Et après, on va aller miner, j'ai déjà miné du satium sur un astéroïde, qui est plus simple, ça reste c'est beaucoup plus simple. Et néodysium, je viens d'en prendre là tout de suite. Là, je fais un petit tour du propriétaire. Et puis après, on va sur la lune faire ce choper de du magnésium. Un petit peu. Et puis après, on retournera à la maison. Peut-être que je viendrai, peut-être que je prendrai aussi du silicium, on en a, donc ça on s'en fout. Peut-être que je prendrai aussi du. Il y a un shop par là, mais il n'y a pas grand chose, j'ai pas pu vendre beaucoup de choses. Peut-être du pentaxyl, il faudra qu'on chope aussi du pentaxyl, ça n'aura pas des masses non plus pour les sauts. Quoi qu'on s'en fout, au pire, là on a assez pour faire un saut encore. J'en ai un peu en stock. Et puis on pourra, j'espère pouvoir construire au moins un ou deux automineurs pour mettre sur notre lune à nous, pour qu'ils minent du pentaxyl. Simplement. Donc ici c'est une planète de neige, planète de glace, donc c'est que de la glace, que de la neige. Il y a pas mal de gisements, hein, on dit pas le contraire. Maintenant, du fer on a chez nous, du néodysium j'en ai pris, cuivre il y a, satium j'ai pris, silicium il y en a, prométhium aussi, le cobalt on en a aussi sur notre lune à nous. Donc on va pas trop perdre de temps, on va repartir. Direct vers l'espace, on va aller vers la lune. Tout de suite d'abord pour miner un peu de magnésium, et après on peut retourner à la maison et voir ce qu'on peut faire. Donc, je vais vous faire la vue extérieure, de l'extérieur de l'atmosphère. Anneau de météorite, de météore. Là c'est l'astéroïde de Satium que je me suis coltiné tout à l'heure. Il est à l'extérieur du avant ils étaient dans le cercle, donc il fallait faire le tour du cercle pour essayer de tomber dessus. Quelquefois quand il y a un météorite qui traîne un peu à l'extérieur, du style comme celui-là là-bas là au-dessus là, ça pourrait être
des ressources. Parce qu'ici, nous avons quoi? Dans les ressources astéroïdes, néodysium. Donc, c'est ce que j'ai pris. Du pentaxyle. On a trouvé une météorite de pentaxyle. Alors, ça sera intéressant, une météorite de pentaxyle. Et puis, on va passer près de la... Mais il nous faut du magnésium, c'est dommage qu'il n'y a pas une météorite de magnésium, qu'il n'y aurait pas des météorites de magnésium. Donc là, comme vous pouvez voir, elle est déjà entamée, j'en ai fait un bon gros trou dedans. Sympa, c'est moi qui ai mis le repère, comme ça je peux la retrouver. Tant que les ressources sont pas totalement prises, ou que l'astéroïde on l'a pas bouffé entièrement, il sera toujours là. Après ce qu'ils repopperont, ça je peux pas vous dire. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais bon, des ressources, il y en a assez sur les planètes, quand même. Sur les astéroïdes aussi, donc pire ici après dans les shops. Donc je crois qu'on peut faire quelque chose de pas mal déjà. M'excuse pour je bouge le micro. Donc on va se trouver un petit petit gisement de magnésium ici. J'ai visité toute la planète, elle est toute petite, hein, c'est un niveau 1 je crois, classe 1 ou 2 grand maximum, classe 2 c'est tout rikiki. Il y a des petites bases, là c'est du fer, là, c'est trouvé du magnésium, ça c'en est, non ça c'est silicium, fer, prométhium, voilà, le pentaxyle c'est pas toutes les bases des méchants bien entendu, fer, il est comment le magnésium? Il est carré, d'accord, donc je dirais que ça c'en est, ça c'est du cobalt, magnésium, je dirais que c'est ça, ça c'en est. Là j'en ai pas, on va aller toujours là. Donc là il y a un... Oups, là. Là il y a les bases, donc on va se tirer très très vite. On va se tirer très vite. On va raser le sol. J'ai pas fait gaffe de ça. J'espère qu'il m'a pas fait trop de trous parce que mon vaisseau il est pas très solide. Et là comme nous sommes placés, on est pas mal, hein. On est en train d'y aller. Quand il faudra que je répare le vaisseau, parce que là j'ai pris du plomb sans faire exprès, sans faire gaffe. J'espère qu'il a pas trop de bouts qui manquent. Le seul réparateur répare les blocs, hein. Il ne répare pas les trucs qui ne sont pas cassés. Les blocs qui ont disparu, ils ont disparu. Hein. On va laisser en l'air comme ça. Tac. Donc, tant qu'on n'a pas de plateforme de réparation, on répare avec ça. Gardez le bouton appuyé, dès qu'il y a un truc à réparer, il va réparer. Hein. Il va y avoir du gaz dessus. Donc celui-là, heureusement qu'il est blindé, parce qu'autrement... C'est surtout le propulseur que j'ai peur. Ah, le cockpit, toujours le cockpit, hein. Le cockpit il est quand même ultra fragile. Hein. Bon, vous en faites pas quand vous êtes là, vous faites comme ça, là vous remontez dessus. On est toujours en réparation. Là a priori tout est bon, tout est bon. Là on est près du générateur. De saut hyperespace, donc c'est normal que ça grésille et on va se poser là. Bon, c'est pas très plat, mais c'est pas grave. Coupe le jus, j'ai plus trop d'oxygène, faudra que je remette de l'oxygène. Je dormais parti d'avant, je vous explique les petits loulous, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais plus d'oxygène dans ma combi. J'en avais plus et j'ai voulu en mettre, seulement m'avait tiré dessus juste avant. Elle est malheureux, j'avais... Une fois que le vaisseau n'est pas bien, on n'arrive pas. Quand le... Qui voulait prendre de l'oxygène. Le réservoir qui était de l'autre côté du vaisseau, j'ai essayé de prendre dans le truc, mais il n'y avait plus rien qui sortait. C'est le réservoir et il y avait un gros trou. Il y avait un gros trou dans mon vaisseau, il m'avait éclaté le réservoir d'oxygène, donc je suis mort. Parce que j'avais plus d'oxygène.
là c'était vraiment tristounet quand même. Tout ça pour une ch'touille d'oxygène. Quand vous pouvez le réparer votre vaisseau, vous le réparez tout de suite. En plus on a un outil pour. Après les blocs qui auront disparu, bah ils auront disparu, vous pourrez rien faire. Mais qu'elle fasse un bug, alors c'est quelquefois c'est bien de les prendre. Ce sera bien qu'il les change de couleur vu que le pentaxile maintenant il est rose sur les ans. Allez, silicium. Comme sur notre planète, hein, on est d'accord, ça sera du silicium, paf. Des rochers de silicium, ça c'est du cuivre aussi, on peut le faire, hein, on est là. Par contre, cela on peut pas se les coltiner. Si? Comment ça on peut se le faire? Alors attendez, on va tester. Non, ça marche pas, ça les détruit. Ça les détruit. On peut pas les, on peut pas les récolter, cela. On peut faire que aller dessus avec le F et puis feu. Ça les détruit, c'est bête, parce que... enfin c'est bête, c'est pas bête. On verra peut-être pas par là, mais si on avait un automineur là, en attendant, on vient récolter un peu d'automineur. On pouvait se prendre des trucs en passant, quoi. Une fois à chaque fois qu'on fait un saut par ici. Donc ça, je vais le mettre en ma bécane. Mettre dans le constructeur. Donc, ouais, j'en ai quand même... Ouais, je bécane. Là, on peut toujours faire du cristaux, un peu de ça, un peu de ça. Ça. Allez, les grands néodysium, c'est bon ça. Je le foutrai dans la caisse après. Et on va se faire un peu de magnésium là tout de suite. On va voir comment c'est. Ça c'est tout en un bloc, donc c'est nickel. Par contre, faut pas qu'on aille, faut pas qu'on le mine à 300 km. On est quand même loin. Je vais mettre la gravité. Je suis loin en fait du gisement là, je suis parti à la Wallow. J'ai mon truc là, voilà. Ah, c'est bien parce qu'on a comme la gravité est pas très grande. On fait le super grand saut. On peut miner à la verticale quasiment. Je crois qu'on y est déjà. Non. Non, c'est bizarre ce. C'est bizarre cette la planète comme on voit. On dirait du sel. La première fois que je vois ce type de planète dans cette configuration. Hein. 47 mètres? Sérieux? Y'a pas plus près? Non. Oh, mais ça va être un truc de dingue, je vais être obligé de creuser une fosse. Bon là on est de retour à la base les amis, donc je vais prendre mes trucs. Je vais prendre mes trucs pour mettre dans ma base. Alors c'est de l'autre côté parce que là il n'y a rien. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Il me manque tout là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a trouvé?
Non, les habits, c'est un bug, ça arrive. Une fois, ça disparaît. Ça disparaît, mais c'est pas, c'est normal, ça va revenir, faut rentrer et sortir du jeu. Là, le chargement, il a pété un plomb, vous voyez, il a tout vidé en plus, tout mon stuff est là, tout de ce côté. Donc les tout vides, c'est la cata, donc faut pas s'affoler, vous sauvegardez, vous sortez, puis vous revenez. Puis ça revient. Tout simplement. Ok, allez, on vient tout de suite pour vider nos coffres invisibles. Et ben nous y revoilà, on a éteint le jeu, on l'a redémarré. Bon, le vaisseau est pas très bien posé, mais tout est de retour, tout est de retour. Hein. On est d'accord, hein. C'est juste quelquefois ça disparaît, ça arrive. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Alors, on va récupérer tout ça. On va récupérer les matériaux importants, ça. Alors on peut le laisser dedans, c'est pas un souci. Donc ça, on va annuler tout ça. Voilà. On va manger un petit quelque chose quand même, parce qu'on a faim. Clouc. Un peu d'oxygène, mais l'oxygène, j'en ai pas. J'ai pas le post-oxygène, j'ai les bonbonnes d'oxygène, mais j'ai pas le carbu, c'est pas le truc à oxygène, faudra que je le mette. Ça, je mets ça là. Ça, je balance tout ça là-dedans. On va lancer un peu de lingots avant de partir, faire dodo, ça devrait être fait. Tac. La poudre de magnésium aussi. Le reste, c'est bon. Allez, on va faire un dodo, on revient tout de suite. La tente elle est encore là, j'ai pas encore de lit. Paf pif pouf, et voilà, il fait beau, il fait beau, il fait chaud. Par contre, le vaisseau, je vais le remettre trop parce que j'aime pas ça. J'aime pas qu'on les pose comme ça. On décolle. On va pas prendre l'atterrissage quand même. Aurais-je pas perdu en train d'atterrissage? Non, ils sont juste tous là, c'est juste que. Ça cafouille parfois, c'est pas grave hein, les amis, c'est vraiment rien du tout ça. C'est rien du tout. Hop. Et puis voilà. Là il fait beau, il fait chaud. Les lingots sont faits. Le promethium, le magnésium. Et on est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a à dispo là tout de suite maintenant dans notre constructeur qu'on puisse faire? Déjà, on va faire notre petit réservoir à oxygène qui est. Il est où d'ailleurs? C'est ça. Tac, ça j'ai besoin. Disposition, on n'a pas grand-chose, hein, surtout sur le coup. Sur le coup, on n'a pas grand-chose, hein. Nos automineurs, ils sont toujours dans la possibilité de faire. Il nous manque les arconiums et tout. Ça fait chier, ça. Je me demande si ça avant c'était le cas. Les automineurs 1, on pouvait déjà en avoir déjà au début. Quasiment les trois, faut pas rêver, d'accord, mais le 1, oui, mais on n'a pas ce qu'il faut. Ah, alors, ça c'est agaçant, les amis. Ça c'est agaçant, mais bon, c'est pas grave. Hein. On ira visiter des. On fera du minage. Hein. D'ailleurs, je me suis presque dit que, cher Fringy, ça serait peut-être presque mieux de faire des miner des astéroïdes. C'est plus simple de miner des astéroïdes que de se faire chier à miner des. Faire du minage basique sur les planètes quoi. Seulement dans les stéroïdes on peut faire tout le tour sans problème. Mais bon, on va voir. Alors ça, nous avons ceci. Donc ça c'est très intéressant. J'ai enlevé mon armure tac. Et là-dedans on peut faire ça. On fait ça, on met réparer et pouf. Tout est réparé. Bon par contre le retour stock ça ne marche pas. Dommage, pourtant il y a la flèche, mais bon. C'est pas grave, hein. Et voilà, ça c'est bon, ça. On va prendre un peu d'oxygène, mais on peut pas prendre d'oxygène, parce qu'on va pas aller notre scaphandre. Tac. Donc on va pouvoir prendre un peu d'oxygène, c'est pour recharger le truc. Bon, après, si vous voulez pas utiliser l'oxygène, on enlève le casque qui est le U pour moi. Ça, j'ai ma jolie chevelure au vent. Tant si quand il y a le vent, il y a ma chevelure qui gigote. Ça va être marrant ça. Bon, on va qu'on regarde. On va aller à nos cultures.
pas si je vous l'ai montré, j'ai agrandi la serre. Parce que là, j'ai du blé. On peut faire du plastique. On peut faire du pain aussi. Mais moi, je le fais pour le plastique. Ah, c'est ça la petite plantation intéressante. On va agrandir, hein, ça. On va faire une serre énorme. On va faire une serre énorme. Ici, peut-être, ou peut-être un peu plus loin. On va peut-être la déplacer, on verra bien. Bon, on va faire un truc d'énorme. Alors, on va foutre ça là-dedans. On va pouvoir faire avec de la solution nutritive. On n'a pas... Il nous faut du... De la roche broyée, on n'en a pas beaucoup non plus. Alors, de la roche broyée... Oh, on a de quoi faire, là. On va prendre la moitié. Tac. L'eau, on va... On en a plus de l'eau encore, si on a encore de l'eau. Mais je vais aller recharger les bécanes. Est-ce qu'on a du truc moisi? Oui. Donc on va lancer ça. Tac. Et après, on va pouvoir relancer des cultures. Faudrait que je chope des champignons. Pousse de plante de miel. Pousse de plante de miel, je me demande si c'est pas ça, les trucs là-bas au fond. Là. Qu'on voit la nuit. Là, ils seront. J'en avais par là à un moment donné. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai l'impression que là-bas c'est étendu. Peut-être plus on s'étend, plus on élargit la base, plus le terrain s'élargit aussi. C'est étrange, ça les amis, c'est étrange. Bon, par contre, je crois qu'on va commencer à avoir des problèmes de carburant. Je m'excuse, je crois qu'on va commencer à avoir des problèmes de carburant. Donc il faudra penser à... On ira sur un astéroïde, on ira à la chasse à l'astéroïde. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ça c'est des bouteilles d'eau, ça je peux le foutre dans la machine. Ça sera toujours utile pour quelque chose. Et ouais, j'ai l'impression que la base, plus j'étends la base, plus l'écosystème se repousse, on va dire l'écosystème, je me rappelle plus. La végétation se repousse. Je dirais que c'est le qui c'est que ça bouge quoi. Non, faudrait que j'aplanisse ce trou là. Alors je vais peut-être le faire tout de suite. C'est l'avantage de ça, c'est qu'on peut remonter le terrain, descendre le terrain, le mettre à niveau. Ça c'est une bonne sulfateuse. Je croyais que l'eau allait s'infiltrer, mais non, c'est pas le cas les amis. Alors on peut remonter le terrain comme ça. Vous voyez, le bouton à droite là. Générer, ajouter des terres. Là. Combler les cavités à élever le terrain et ça c'est nivelé. Ça c'est vraiment sympa. Bon ça va niveler, ça va faire du rocher. Mais bon c'est pas grave, hein. On va réparer ce qu'on a cassé. On devrait être sous l'eau. Ah, c'est marrant, on l'a vu sous l'eau. On va faire un joli rocher là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un gros rocher. Je vais refaire un peu de pousses de blé. Je vais recréer des pousses de blé pour refaire une bonne dose de plastoc parce qu'on en a quand même besoin. Et après je ferai un lit, comme ça je pourrais shooter ma tente. Et puis voilà quoi. Les directives du front. Voyez, pop, 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 on monte. Pop, 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 pop. C'est pas mal. On va essayer de descendre un peu. On va rien faire du tout parce que là d'habitude ça va nous faire encore un truc bien dégueulasse. Donc on va pas trifouiller ça. On va remettre du carbu, on va remettre de l'eau dans notre petite machine. On va remettre sans de l'eau là. Ça on va pouvoir en mettre aussi pour les bouteilles de bidule truc. Là ça fabrique, il reste quoi, 24 là. On va laisser tourner tranquille 1000. La flotte on va la foutre là, ça aussi. Le carbu on est vraiment en cours là. Du premier tir on en a même plus du tout, donc ça va être réglé. Et là les petits loulous, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire là tout de suite.
des armes, on a vraiment ce qu'il faut. Fusil de sniper, c'est pas intéressant. Roquettes, on s'en fout. En bloc, on a tous les blocs dispo sauf ceux-là pour l'instant. On prendra des solutions nutritives, du bois peut-être qu'il nous en faudra. Ça, c'est les ressources principales. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On pourrait construire un peu la base, bien sûr. Détecteur affine de cartes, radar. Ça, c'est pour les petits vaisseaux. Ça c'est pour le hover. Hein. Il est en bleu, le bouton bleu là. Enfin, vous voyez pas, vous le voyez pas, j'ai pas le curseur. Gros constructeur, on peut pas en faire une fournaise, on en a une. On n'a pas démonté. On a nos petits constructeurs là. Là, c'est conteneur de récolte quand on a des canons de minage sur nos vaisseaux. Ça, on a. C'est la chambre de clonage, ok. Ça, c'est pour les petits. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pour les petits. Tout ce coin-là, on a. Hein. Après, des gros générateurs, on aura besoin du générateur V2 là. Il nous manque quand même quelque chose. C'est du zirconium, certainement, comme d'habitude. Et tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. Après, cette tour-là, c'est des petits vaisseaux, quoi. Donc, il va falloir de nouveau éliminer incessamment. Va de nouveau falloir éliminer incessamment. Macer, ça se passe bien. Macer, ça se passe bien. Là. 26, c'est pas mal. Mettre 26 là-dedans. On va mettre la moitié, on va pas tout mettre. Faire des blocs de terrain. On peut faire en bois, même en béton si on veut. On va faire 20. On va mettre tout. Comme ça mange pas de pain. Des blocs de construction, on pourra en refaire aussi un peu. On verra ça. Là, il nous reste 13, on va avoir 13 blocs, on va avoir 13 plantations. Je vais peut-être enlever un peu de ces tonneaux là, je vais en prendre la moitié. Tac, ça on va laisser là. Ça, je vais le remettre là-dedans. Paf. Nos petits trucs d'armure, il est pas mal. Celle-là, on pourrait même la réparer si on voudrait. Là, on est pas trop mal, on est pas trop mal. On pourrait même poser la fournaise si on veut. La fournaise, elle est là. Elle est là, la fournaise. La fournaise. La fournaise, elle est extrêmement énorme. Extrêmement énorme. La fournaise, elle nous sert à brûler, à faire des lingots. Certains lingots ne rentreront pas. Ça, je peux le mettre dans l'autre truc. Certains lingots ne rentreront pas dans la fournaise parce que c'est pas du matériel qu'on pourra faire du lingot. Je vais vite là, je vais faire mon petit lit aussi. En planche en bois, j'ai déjà plus de bois. Ah bon? J'ai déjà plus de bois. Bon, allez, il ira couper du doigt. Donc, comme je vous disais, on ne peut pas faire tout dans cette fournaise. Du lingot, on peut plus en faire, on n'a pas grand chose, du coup on n'en a plus, il va falloir qu'on en recherche. Donc faire des mines. Ah, j'ai plus de prométhium. C'est bête ça. Plus j'en ai plus, j'ai plus qu'une recharge de prométhium là. Putain, faut que j'en retrouve. J'ai plus qu'une recharge pour mon mineur. Ah bah il m'en reste au moins une. C'est déjà une bonne chose. Je vais en mettre à recharger. Est-ce qu'il y a une ressource de recharge de prométhium? Donc tout ce qui rentrera voudra bien rentrer, ça on peut pas parce qu'on fait de la poudre avec ça. Donc on peut pas le mettre là et la poudre on peut la faire que. Non, pas celui-ci. On peut le faire que dans le constructeur. Donc là je vais pouvoir l'éteindre. Donc on va falloir de nouveau là la chasse au prométhium quoi. C'est tristounet, mais c'est comme ça. Puis au bois aussi, on va faire une chasse au bois. Une chasse au bois et puis voilà quoi, ça qui est chiant, on ne peut pas avoir d'auto-mineur encore, ça c'est chiant, ça c'est vraiment chiant ça. Donc là j'ai mes 7 plantations, on les laisse pour planter plus tard. Lui dès qu'il est prêt. Ah, c'est particulièrement lent quand même comme truc. Et là, notre fournaise, par contre, si on s'approche de la fournaise, comme vous pouvez voir,
on va monter vite à 240 degrés. Hein. Donc si on reste trop près de la fournaise trop longtemps, on crame. Donc on peut l'éteindre aussi, ça consomme de l'énergie de toute manière, donc c'est pas la peine non plus de la laisser tourner pour rien. Là, notre petite recharge, elle marche pas mal. Du carbu, il y en a plus. Heureusement qu'on a de l'énergie. Notre frigo, il tourne toujours aussi. Donc, j'ai qu'une recharge. Faudra qu'on aille directement sur un... essayer de trouver un astéroïde à l'extérieur pour le démonter. Essayer d'aller démonter un astéroïde. Bon, en attendant, je peux faire de la caillasse. Moi, j'aime bien les cailloux. Faire des blocs pour construire. Là on a du... on en a pas mal là. On en a pas mal là. C'est jamais perdu ça. 1000. 1000 blocs, je vous dis, les amis. C'est efficace, 1000 blocs. Donc on a... problème de carbu maintenant. Problème du carbu et puis du pentaxile aussi. Donc on aura tout de suite besoin, ça c'est certain. Pour faire des sauts, va falloir qu'on aille sur les autres planètes parce que... Il y en a encore un là de ces machins, je crois qu'ils avaient tous enlevé. On aura des problèmes de carbu, ça c'est sûr. Et des sauces hyperspatiales aussi. Des munitions, on peut rester avec notre pétard basique, c'est bon. On a combien? 4. Alors si on laisse à 4, on est à quoi? 32%. Ouais, mais bon. J'en ai un d'avance, donc faut que je le mette. Attends, faut que je le démantèle, hein, qu'il reste pas en attente. C'est ça, dans les vaisseaux, on pourra jamais le mettre. Dans le blueprint d'un vaisseau, on pourra jamais le mettre. Donc, c'est pas utile de le garder. Autrement, faut mieux le démonter. Non, là, on va démonter du... On va casser le caillou. Voilà. Et puis, ben écoutez, on va faire vite ces petites cultures. Ça, ça m'énerve, donc je l'enlève. Je vais me dire, fringué, ce serait bien de faire ta petite base, faire une petite base intéressante, c'est certain, les petits loulous. Mais là, pour l'instant, alors, on peut mettre ça, 10, 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 10. 10, 10. Truc à flip, ça serait plus vente. Mais faut que j'ai mette dans le. Que j'ai mette dans le truc le plus urgent, parce autrement, on n'aura que du machin. Donc 2, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 et 10. Voilà, maintenant. Ce qui sortira, sortira. Ce qui sortira pas, ça sera tant pis pour lui. Et puis, écoutez, du carbu, va falloir vraiment chercher du carbu. Donc, je vais repartir dans l'espace. Parce que là, je n'ai manifestement pas grand-chose. Le truc que je voulais vendre au shop, je n'ai pas vendu grand-chose. Du carbu, il m'en reste un peu. Partir dans l'espace. Chasse aux astéroïdes, je l'ai pointé, je l'ai bloqué, et je vais les miner. Ah, ça par contre, j'avais pas mis dans la machine. Ça, je sais pas où j'ai chopé. C'est pas qui ça, on peut mettre ça, j'ai besoin. Tu vois, c'est des mines, on peut lui virer, ça, c'est des trucs à rendre. Ça, j'en ai déjà une paire. Ça, je peux laisser dans le constructeur, ça, c'est pile à combustible, ça, c'est du carbu. On peut le laisser là, ça marche aussi, c'est très bien. La caillasse, ce qui pourra faire, il en fera, ce qui pourra pas faire, il les fera pas. Ça, je vais en foutre là-dedans. Tac, et là, je crois que je pourrais faire mon lit parce que j'ai du bois. Oui, je peux faire mon lit, chouette. Voilà, la fournaise elle va être vite réglée. Là, ça va être vite réglé aussi. J'ai pas assez de plantes à fibres. Comment c'est possible hein? Ah oui, bah c'est le maximum de plantes qu'on peut avoir suivant les ressources qu'on a mis. Hein. Si on a une herbe médicinale, on va nous en sortir qu'une, hein, bien sûr. Si
aussi, il faut solution nutritive, eau, solution nutritive. Stimulant naturel, il en faut deux pour faire une. Donc forcément, si on n'en a pas mis assez, ben, on pourra pas les avoir. C'est pas un souci les petits loulous, c'est pas un souci. Ça je laisse tourner tranquille, ça je laisse tranquille, tout est tranquille. Tout se passe bien sur la planète. Voilà la chasse au minage, hein, encore une fois. Créer un petit hamburger, tiens, paf. Voilà un petit hamburger. Puis je vais aller miner dans l'espace, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on fait ça, puis je reviens. Et ben voilà les amis, cet épisode est enfin terminé. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ça vous a plu. C'est nickel. Et on se retrouve au prochain. Allez, à plus. Tchou!